Je t'ai dit de mettre ton pyjama par contre et de mettre ton pantalon dans le panier. Bah, c'est pas ce que t'es parti faire. Bonjour tout le monde. Alors, ce soir, avant de partir sur du Fortnite, nous allons tester le jeu gratuit de chez Epic Games. Qui ce soir s'appelle Europa. Hop. Attendez, je suis en train de m'emmêler les fils avec mes. Je suis en train de m'emmêler les fils avec les fils. Alors oui, je suis fatiguée ce soir, hein, donc je risque d'avoir beaucoup de phrases bizarroïdes, c'est pas de ma faute. Hop, s'il veut bien se lancer. Ah, normalement, il est installé. Oui, c'est ça. C'est bon, il est installé, on est bon. Hop, on va pouvoir démarrer. Donc ce soir, le jeu s'appelle Europa Universalis 4. Si je me rappelle bien de mes chiffres romains. Il me semble que quand le trait est devant le V, ça fait moins 1. Hop! Alors, évidemment, comme je ne l'ai pas lancé avant, il y a une création de compte, donc on va le faire. Hop. Bon, pays, je crois que je suis en France, hein. Ma date de naissance. Je pense que ça y est, maintenant tout le monde la connaît. Beaucoup se sont posé la question, mais maintenant tout le monde la connaît. Hop, voilà. Hop, et créer le compte. Ok. Bah, évidemment, le pseudo, comme toujours, c'est le même. Hop, continuer, continuer, continuer. Alors, on va voir s'il se lance. Ah, est-ce que le stream va le prendre? Oh, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup, beaucoup la musique. Alors, il n'a pas l'air de le prendre, donc on va passer sur l'autre formule. En partage d'écran. Tac, il est là normalement. En partage d'écran, ça va marcher. Exactement. La musique est juste tout bonnement magnifique. Alors, placez toujours un commandant en tête de votre armée. Elle risque sinon la défaite, voire la destruction totale. Alors, un joueur. Alors, je connais pas du tout le jeu, hein. Je le découvre en même temps que vous. Alors, la guerre de 100 ans qui déchire la France depuis plus d'un siècle connaît, après plusieurs victoires françaises, une trêve. Grâce au soutien de la puissante famille d'Anjou et de Jeanne d'Arc,
avant son martyr aux mains des Anglais. Charles, alors 5, 6, 7, Charles VII a repris la plus grande partie du territoire. Il a réussi à être reconnu comme le roi légitime par le duc de Bourgogne lors du traité d'Arras en 1435. La trêve avec l'Angleterre reste fragile pourtant. Celle-ci n'a pas renoncé à revendiquer le trône de France et l'une des premières exigences du traité récent prévoyait la cession du Maine à la France, n'a débouché sur rien après plusieurs mois. Les Bourguignons, quant à eux, soutiennent très passivement la cause française face à l'Angleterre et restent une cause de vive inquiétude pour la couronne. C'est juste la musique en fait qui est hyper forte maintenant. Une vive inquiétude pour la couronne. Leurs possessions se sont considérablement étendues, y compris hors frontières du royaume, dans les Pays-Bas et le Saint-Empire. On dirait que le duc, par ailleurs l'un des hommes les plus riches d'Europe, rêve de constituer son propre royaume pour l'union de toutes possessions. En 1944, en 1444, le royaume de France connaît donc une grande instabilité et de nombreuses mutations. Et la royauté est la proie de la volonté versatile de ses vassaux, qui jouent de la volonté d'Angleterre d'ajouter la couronne de France à ses titres. Et celle des récalcitrantes maisons de Bourgogne, toutes prêtes à revendiquer le trône. Avant que la France puisse donc à nouveau songer à s'étendre. Salut Kaya! C'était pas dans l'histoire, salut Kaya. Hein. À s'étendre hors de ses frontières, elle va donc devoir veiller à s'assurer la royauté des grands féodaux. En les intégrant au sein de l'État centralisé. Tu me perturbes, Kaya. Comment vas-tu? Ça va et toi? Tu me perturbes dès que t'es là, j'arrive plus à lire. Hors de ces maudits Anglais et ramener dans son giron la Bourgogne. Alors seulement pourra-t-elle lancer les voyages d'exploration, mener une politique étrangère dynamique dans la Saint-Empire et aux Pays-Bas, ou même fonder sur les riches cités du nord de l'Italie, où l'influence impériale ne cesse de décliner au cours de ces derniers siècles. Merci. Merci, merci. Je suis contente de le savoir. Moi, je vais aller là. Ouais, là. Là, 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 là. Poitou. C'est pas vraiment le Poitou, hein, si tu... Mais bon, on va rien dire. C'est pas vraiment le Poitou, hein. Moi, je veux bien, mais... Allez, tu mets le... Ah ouais, tout ça, c'est le Poitou pour toi. Ok. Moi, c'est pas le top, mais t'inquiète. Qu'est-ce qui se passe, Kaya? Raconte-nous tout. Coucou, Mawen. Ekefuf. Nous pouvons construire de nouveaux bâtiments ici. D'accord. Ok. Je suis censée faire quoi? Oh, pourquoi t'es parti en bas de toi? Oui. Ouais. Attends, déjà je teste ce jeu si le jeu veut bien se laisser tester. Euh...
Oh, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, j'ai cliqué là-dessus. Bon, ok. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Hein. C'est un peu trop privé pour en parler comme ça, surtout en live, mais t'inquiète, ça va le faire. Et bien, écoute, n'hésite pas à m'envoyer un message privé si tu veux. Or, c'est quoi? De quoi? Or, c'est quoi? C'est quoi, Marwen? Pourquoi tu poses cette question? Est-ce que je peux construire un navire? Oui, je peux construire un navire. Oui! Je peux construire un navire! Ah oui, oui, tu piques la bouteille d'eau, vas-y. Attends, c'est que là, ça a bougé, là. Ok. Clic droit pour annuler. Non, j'ai pas envie d'annuler. Vas-y, fais ton truc, hein. Alors, conseil de destinée, les aider à vous donner des informations sur les éléments du jeu. Vous pouvez cliquer sur le bouton afficher les conseils en haut à droite pour les activer. Plus tard, les icônes... Ok. Mais vu ton conseil pourri, autant te dire que... C'est quoi ça? Topographie, commerce, carte politique, carte économique, ok. Histoire de la province, ok. Est annexé par la France, mais en même temps, de toute façon, j'avais dit que j'étais française, donc c'est normal. Moi, chauvine, hein. Moi, je joue... Les Bordelais, ils sont là, les Bordelais. Alors... Se trouve dans cette zone de contrôle de notre forteresse du Haut-Poitou. Ouais, c'est cool. Je suis contente pour elle. J'ai rien compris au jeu, hein. Sérieux, si vous avez des idées, là, parce que j'ai franchement rien capté au jeu. Hein. Ah, pour moi, ça serait un peu... J'ai fait beaucoup de jeux comme ça, hein, bien avant les lives, quand j'étais jeune et vaillante. J'ai fait beaucoup de jeux comme ça, ça me fait penser à Edge of Empire et des trucs comme ça. Mais là, c'est vrai que j'ai énormément de mal à comprendre ce que je dois faire. J'ai franchement du mal à comprendre ce que je dois faire. C'est légèrement compliqué. Nous pourrons construire de nouveaux bâtiments ici. Ben ouais. Mais Ah, ici on peut... Non? Non, on regarde juste ce qu'il y a. Ok, super, c'est cool. Je suis contente de savoir qu'ils ont un château. Moi, je vais déjà pas mettre une maison. Ah, ça, les séparations comme ça, c'est toujours compliqué. Ça... Ça, malheureusement, c'est toujours un... Construire un navire, engager des mercenaires. Bon, on va engager des mercenaires. Oh, purée. Ouh, aïe. On se retrouve dans la guerre. Nous allons engager des mercenaires. Mais j'ai sincèrement rien capté à ce jeu. Hein. Ah, ça y est, attends. Infanterie médiévale, ok. J'ai passé tout, c'est ça? Je sais pas. Ça doit pas marcher.
Mais sérieux, mais je capte rien au jeu. Hein. Revendiquer. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais écoute, si tu veux en parler, n'hésite pas à m'envoyer, un message. Hein. C'est pas un souci. Hein. Après, tant que je serai en live, je te répondrai pas. Mais dès que je peux, je te répondrai. Et des fois, de discuter, ça aide à y voir plus clair. Voilà, impôt de guerre. J'ai toujours pas ni d'armée, ni de maison, ni de citoyen, mais je vais vous pomper un impôt de guerre. Avant même que vous soyez arrivé. Ok. Je touche à tout, hein. On va peut-être au bout d'un moment, on va trouver quelque chose. Ou alors j'ai complètement planté le jeu, ce qui serait pas un truc tellement rare avec moi, mais... J'y capte toujours rien. Hein. Ça, c'est ce qui s'appelle un essai de jeu très concluant. Je capte toujours rien à ce que je dois faire. Kata, franchement, je suis pas douée en histoire, mais il faut reproduire la guerre en gros. Peut-être. Peut-être, Marraine, que c'est ça. Mais pourquoi je peux pas construire des petites maisons pour... faire venir des petits militaires, des petits machins, et puis après, pas ça, je peux contester. Là, j'ai personne, tu les mains dans les poches, je vais peut-être pas contester avec deux poches. Ouais, tiens, on va faire ça. J'ai peut-être réellement déclaré une grosse guerre et je vais la sentir passer. Si c'est selon ce que tu as choisi comme thème. Selon ce que tu as choisi comme thème. J'ai pas choisi de thème. Hein. J'ai surtout rien capté en fait. Je veux bien choisir un thème quand je capte quelque chose, mais quand je capte rien. Oh, il y a des mariages royaux, tiens. Ok. Mais ça m'aide pas du tout, hein. Bon, j'espère que vous avez aimé la découverte de ce jeu.
On n'a rien découvert, mais... Souhaitez-vous vraiment emprunter la somme de... Non. J'ai pas vraiment envie d'emprunter des sous quand j'ai toujours pas capté le jeu, en fait. Je déteste l'histoire, mais ça a l'air éducatif. Si t'appelles ça éducatif, ma reine, on n'a pas la même conviction de l'éducatif. Parce que là, j'appelle ça le dépressif, moi. J'ai rien capté. Mais j'y capte rien. Hein. Kaya, aide-moi, s'il te plaît. Je vais t'envoyer ça, si tu veux. Allez, on va envoyer à la vallée de Rhin. J'en sais rien, moi. Ouais, j'ai envoyé un truc. Peut-être que en leur envoyant un truc, ils vont me ramener un truc. Non, je sais pas. Hein. Mais pourquoi on peut pas construire des bâtiments ici? Moi, je veux construire. Je veux des maisons. Je veux plein, 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 plein de maisons. Je veux être avec plein, 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 plein de gens. Attends, j'essaie de comprendre. Ouais, je comprends rien. Vous m'aidez pas là sur le chat, hein, franchement. J'essaye de faire un live qui se passe bien, où on comprend les choses et où on essaye de comprendre l'histoire et savoir si oui ou non on va continuer ce jeu. Mais autant te dire que pour l'instant, il est juste à deux doigts de passer à la trappe. Pourquoi je suis en pause déjà? Ah, je suis plus en pause. Peut-être que maintenant tout va se jouer. Je vais me faire tuer, ouais. Oh, oh purée, non, eh oh, on se calme, c'est... je vais remettre en pause. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Roi, nous avons obtenu le casus belli dirigeant exominié contre sa voix. Ce dirigeant a été exominieux. Prendre Quimberi, prendre Bercy, Brésia. Je prends personne. Coucou, yo, viens nous aider. On a besoin d'aide. Ah, attendez, arrêtez de m'envoyer des messages. Ça suffit. Alors, le roi pape, à la demande de l'état pontifico, a excommunié le dirigeant de Savoie. D'accord ou voir. D'accord. Je sais pas, moi. Nous avons appris que qu'est survenu un événement crucial. Le successeur de Ladislas III... Le seul choix possible pour la Bourgogne est de... a été, il nous faut un jagelon. Ok, d'accord. Je mets d'accord, moi. Hein. Le roi, nous avons malheureusement perdu Cassius Belli, dirigeant contre Savoie. Ah ben voilà, on a tout perdu. Autriche a officiellement annoncé que la France est désormais son rival. Oh purée. Eh ben, on n'est pas couché. J'aurais dû rester en pause en fait, c'était chouette la pause. Ça bouge de partout là-dedans, j'y comprends rien. Recruter un régiment. Ouais, je voudrais bien. Ah, arrêtez d'envoyer des messages, je recrute. Parce que je sens que vous allez tous m'attaquer. il me faut un... Il me faut du monde. Il me faut de l'aide. Engager des mercenaires. Est-ce que je peux en avoir? Je peux toujours pas en avoir! Ils sont où les... Qu'est-ce que... Offre de mariage? Ah, attends. Le souverain de Orléans décide de conclure un mariage royal avec l'un des parents de notre souverain. Cela rapprocherait nos deux pays, nous légitimerait, changerait de moins 5 par la conclusion de cet accord en raison
De son prestige et de la légitimité moindre pour la France, le mariage royal se traduirait par légitimité. Légitimité! Légitimité annuelle plus 10, plus 0,10. Amélioration des relations plus 1. Probabilité d'avoir de l'héritage plus 5%. Super. Bon, on va se marier. Hein. Ouais, c'est content, on s'est marié. Ouais, ben on va se marier avec tout le monde. Hein. On va faire un multi-mariage. Je tremble de fou aussi du... Alors, attends. Kaya, donc je comprends rien. Bah, t'inquiète pas, Kaya, on est 10. Bonsoir. Bonsoir. Yo, comment tu vas? Alors, yo, salut. Comment vous allez? Ça va? Et toi? Un peu mal au bras, mais ça va nickel. Ok, symptôme normal jusque-là. Ma reine, elle te fait le médecin. Le médecin par distance. Yep. Et j'ai tremblement de fou... aussi du bras droit où j'ai fait mon vaccin MDR. Bah ça c'est juste qu'ils t'ont foutu sous nitroglycérine au lieu de te mettre un vaccin anti-Covid. Comptez pas sur mon shoot ce soir sur Fortnite, je vais tirer partout sauf sur les joueurs. C'est pas grave, tu me tireras dessus. Alors, il serait récemment survenu un événement crucial, raréfaction de l'or. La soie, l'in et les épices, les loyaux et les perles provenant de l'Orient sont souvent payés en or. Et à mesure que leur commerce se développe, la raréfaction de ce métal en Europe est de plus en plus criante. Tandis même que la demande pour les marchandises exotiques ne diminue pas. Si l'Autriche pouvait découvrir de l'or à l'extérieur de l'Europe, elle serait assurée de mettre fin à ses véritables soifs qui semblent être opérées des continents. Oui! C'est quand j'ai un truc qui pèse un peu dans la main droite, ça tremble. Mais rien dans ta main droite. MDR, tu voteras pour un innocent en imposteur au pire. Bon, moi je vous laisse, je vais partir le week-end chez ma copine. Eh, profite bien de ton week-end, Kaya, et t'hésite pas à envoyer des messages si ça va pas, ok? Et sois prudent sur la route, même si je sais que c'est juste à côté. Bon live, Kata. Yo, ok, mais... MDR. Et yo, il est MDR. D'abord. Alors, nous, on a déjà un bateau. Légitimité. Nanani. J'ai toujours rien capté au jeu, hein. Ouais, voilà. On va faire ça. Voilà. Juste pour dire, je fais des trucs, mais je sais pas du tout ce que je fais. Hein? Je peux fabriquer un fateau! Je peux faire un fateau! Je veux faire un fateau! Laissez-moi faire un fateau! Mais je veux mettre où mon tateau? Moi, j'aimerais ma mère des tatos! Je voulais faire un tatou. J'ai toujours rien capté au jeu! merci Kata et maman aussi, c'est gentil. Bah, c'est normal, Kaya. Je repasserai sur le live. Ok, alors Kaya, style bon week-end, amuse-toi bien, zen. Je repasserai sur le live. Je vais rien dire, hein. Merci Katafol et maman aussi, c'est gentil. Un bateau à Paris, ça marche pas beaucoup. MDR. Bon, on n'est pas à Paris, arrête un peu. On est sur la côte. T'exagères? A plus tard, Pistolmonde! A plus tard, Kaya! Sois prudent sur la route et passe un bon week-end et t'hésite pas si t'as besoin. Tu envoies un message. Sincèrement, j'ai regardé une vidéo et comme je suis nulle en histoire, ben j'ai rien compris. Merci, ma reine! Ça m'aide! Alors moi, le truc, c'est qu'en fait, pour l'instant, ça va. Hein, je gère assez bien. Je me suis mariée avec deux factions, je crois. Ils sont... Pire grande histoire.
Je me suis mariée, je crois, avec deux personnes. Quitte à se marier, autant y aller, hein. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça va me retomber sur la couenne, hein, mais on dira rien. Enfin, comme si on n'avait rien vu. Adopter la loi d'uniformité. Bah, pff, pourquoi pas, faut, non, je peux pas faire, ok. C'est quoi, ça? C'est à qui, ça? Portugal! Ok. Il y a plein de petits bateaux qui se promènent sur la carte, mais je sais pas à quoi ils servent. Alors, comme ça, c'est pratique. Mais qu'est-ce que je fous là-bas? Reviens! Reviens, mon chez-moi! Je veux retourner chez moi! Voilà. Ah, attends, on m'a envoyé un message. Le souverain d'Auvergne décide de conclure un mariage avec la majorité des parents. Les souverains... Ouais, j'ai déjà dit que j'acceptais. J'accepte tous les mariages. J'ai pris un livre Montessori en histoire. J'apprends en même temps qu'Aaron. Bah oui, t'as raison. Oui, avant, c'était autorisé. Ah bon, bah ça va, alors je vais me marier avec tous ceux qui me proposent une alliance. Je te le dis, moi, je vais m'étendre, mais alors à un point. Je crois que jamais personne se sera étendu aussi vite. J'ai marié avec tout le monde. C'est plus un jeu de guerre, c'est un jeu de mariage. Celui qui va se marier le plus vite. Bon, apparemment, il y a des sous qui rentrent. Depuis tout à l'heure, j'entends des gling gling gling, des gling gling gling, des gling gling gling. Donc apparemment, il y a des sous qui rentrent. Bah, en même temps, j'ai que 13 sous. Pff, autant vous dire qu'avec ça, je vais pas faire... Ah, on me propose un autre mariage. Ouais. Acceptez le mariage. Appelle Kurodo, il est doué, lui. Kurodo, ramène tes fesses. Ah, d'ailleurs, vous deviez pas bosser, vous, aujourd'hui? La peste, tu sais. Ça dépend quand. Ouais, bah c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Alors, celui qui a interdit ça... Il doit être aussi détesté que Charlemagne qui a inventé l'école. Ouais, t'as raison. Franchement, il y a des conneries qui ont été faites. Quoi, tu vas dire que toi, t'es content que Charlemagne, il a inventé l'école? Oui, hein? J'ai dit quoi? Ouais, c'est pas vraiment un gros mot, mais c'est pas très beau. Mais c'est pas vraiment un gros mot. Alors, le roi, ses chiens galeux de d'Angleterre ont l'audace de revendiquer la province Chartrain. Aussi fallacieux que ce soit, cela peut leur suffire à justifier la guerre, s'ils le souhaitent. D'accord. D'accord, hein. Ok, on va faire ça, hein. Moi, j'y capte que dalle, j'appuie partout, on verra bien si à un moment donné, ça paye. Est-ce que je peux débloquer quelque chose, là, non? Non, je peux toujours rien faire. Bon. J'ai rien capté au jeu. Aidez-moi, hein, si vous avez capté un truc. Hein. Parce que là, j'ai officiellement rien capté au jeu. GG pour le up, Mansi, tu me rattraperas bientôt peut-être. Tu te fiches d'elle parce qu'elle est que 25? Si d'ailleurs il arrive pas à ajouter d'autres emotes. Mais en même temps c'est pas sur Discord. Sur Discord on est à plein, on peut pas. Mais c'est sur c'est les emotes pour Twitch que j'aimerais bien. Donc il faudrait qu'il me les envoie sur Discord, que je les enregistre et que j'essaye de les passer sur Twitch. Ouais les amis, qu'est-ce que vous en pensez? On a bien testé le jeu, on peut s'arrêter là, non? On n'a toujours rien capté, mais on l'a testé.
va faire un prêt, moi. Après, vous allez me demander, je vais être en déficit. Après, on va me dire, hé, la France, elle était en déficit, c'est à cause de toi. Oui, je pense que tu peux le supprimer aussi et le mettre dans la catégorie ne plus télécharger. Je pense qu'on peut faire ça, yo. Je suis assez d'accord. Voilà, j'ai cliqué sur un nouvel onglet. On a la papotée. On va aller se papoter. Pousse-toi les papoter. Quitte le jeu. Oui. C'est bon, ça c'est fait. Au suivant. Au moins, on aura testé le jeu de la semaine. C'était pas très concluant, mais on l'a fait. Désinstallé. Et on n'y reviendra plus. Salut, ciao, bonne fête. Ouais, mais arrête, non, c'était pour... Parce qu'en fait, sur Discord... Alors, j'espère que sur ce coup, vous avez pas tout... vous avez pas supprimé ce qu'on avait fait. Parce que sur Discord, sur coup, on avait réussi à mettre tous les émotes qu'on voulait. Et c'était vraiment pour Twitch. Parce que pour Twitch, sur coup, on n'a pas d'émotes. Et c'était vraiment pour Twitch où je me posais la question si on restait sur le thème One Piece ou si on partait un peu sur le thème un peu folie furieuse et folle dingue. Donc voilà, c'était plus là-dessus que... Parce que Discord, on a mis des émotes... on a mis des émotes de One Piece, et si on en met plus, après il faut payer le booster machin quoi, je sais pas quoi là. Et j'ai pas envie de payer un booster machin je sais pas quoi,